les artistes français pas très connus et dont je parle assez fréquemment parce que c'est un groupe que j'aime vraiment bien. C'est un groupe qui s'appelle Lyse. Alors c'est L-Y-S-E. Je précise S-E à la fin puisqu'il y a un autre groupe qui s'appelle Lyse. Et donc c'est pas la même chose. Là c'est Lyse. C'est un groupe breton et leur album s'appelle Je suis Wallace Hartley. Et c'est, voilà, pour moi c'est un des meilleurs albums de rock français de ces dernières années. Et donc voilà, j'en parle à chaque fois, c'est un groupe vraiment pas très connu et c'est dommage, voilà, c'est vraiment un super groupe aussi bien sur album que au concert. Donc j'invite tout le monde à aller écouter ça. Après dans les trucs plus connus, comme je disais, j'écoute beaucoup Deportivo, j'écoute le dernier Gaëtan Roussel, je l'ai beaucoup écouté. Last Keep the Use qui vient de sortir, je trouve ça vraiment cool, même si je préfère en concert, mais c'est vraiment cool. Chaka Ponk aussi, qui est vraiment sympa en ce moment. Après, dans les trucs plus américains, j'aime bien Katy Perry, le dernier album, il me fait triper à fond. Donc j'aime bien ce côté patate à la ricaine aussi. Merci beaucoup de m'avoir écouté blablater pendant tout ce temps. Et c'est bien de blablater, mais finalement avec la musique, le mieux c'est de l'écouter. Donc comme j'ai dit, j'ai beaucoup de concerts à venir. Toutes les dates sont sur mon site internet. Je fais l'instant promo en disant que mon site internet c'est www.odile.fr. Et puis voilà, venez chanter avec moi au concert, c'est ce que je préfère. Venez m'écrire des messages d'amour sur mon Facebook, ça j'aime bien aussi. Et sinon, la petite conclusion, donc, c'est regarder mon bras. Voilà. En fait, j'aurais dû le faire tatouer ailleurs parce que c'est pas du tout pratique à montrer à chaque fois. Je suis obligée de me contorsionner. Voilà. Mais tout ça pour dire. Voilà, je me contorsionne pour vous dire Overdose Your Life. Et je vous dis à très bientôt au concert. Et love.